Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour sans doute le moment le plus intéressant, le plus excitant, le plus incroyable, le plus original de votre journée, chères auditrices et auditeurs, puisque vous avez la chance inouïe, et vous le méritez toutes et tous, de participer au grand loto de Noël du trio Musica Humana. Mais avant toute chose, un petit point sur les règles du jeu dont la lecture est obligatoire avant chaque partie depuis 1956, n'est-ce pas Igor ? Alors, un meneur de jeu tire au sort une boule sur laquelle est inscrit un numéro allant de 1 à 90. Attendez, excusez-moi les garçons. Oui, Clément, qu'y a-t-il, oui ? On pourrait peut-être faire l'impasse sur les règles du jeu, ça risque d'être un petit peu long, et puis de rentrer dans le vif du sujet directement, non ? Non, Clément, non. Bon, okay. La règle est formelle, et nous ne sommes pas du genre à jouer avec, merci beaucoup. Tu peux continuer, Igor, s'il te plaît. Merci, Martial. Un meneur de jeu tire au sort une boule sur laquelle est inscrit un numéro allant de 1 à 90. Par exemple, la boule numéro 1. Merci, Yann. Dès qu'il a tiré une boule, le meneur de jeu annonce à voix claire et audible de tous la valeur lue. Par exemple, la boule numéro 2. Merci, Yann. Les joueurs ont reçu des cartons en début de partie. Sur chaque carton figure une grille comportant 3 lignes et 9 colonnes. Et parmi les cellules qui en résultent, 4 dans chaque ligne sont vides, alors que 5 comportent un nombre. C'est-à-dire que chaque carton affiche 15 numéros. Par exemple, le numéro 15. Tout à fait, Yann. Chaque joueur, à l'annonce du numéro tiré par le meneur de jeu, vérifie si l'un de ces cartons comporte le numéro tiré. Et si oui, il place un jeton sur la case correspondante. Par exemple, la case numéro 12. Merci, Yann. On procède alors à un nouveau tirage, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un des participants ait gagné. Et si une ligne entière est remplie, on dit qu'il y a Kin. Et si les 3 lignes d'un carton sont pleines, on dit qu'il y a Carton plein. Et selon les règles du jeu définies en début de partie, le premier qui réalise un Kin ou un carton plein est gagnant d'un lot plus ou moins important qui est traditionnellement en nature. Par exemple, un cochon, un bon d'achat ou encore un séjour au soleil all inclusive. Est-ce que vous avez tous bien compris ? Alors, c'est parti ! Est-ce que vous êtes chaud ? Distribuez les cartons ! Ils sont chauds ! Est-ce que tout le monde a ses jetons ? Est-ce que vous êtes chaud ? Chaud ! Chaud ! Stop, 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 stop. Les garçons ? Oui. Stop. Oui. Au cas où vous n'auriez pas compris, on est en pleine crise sanitaire, donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de public. En plus, on est à la radio, vous vous excitez pour rien parce qu'on est en différé en plus. On n'avait pas pensé à ça, mais c'est vrai. Mais oui. Et puis en plus, on est sur France Musique. Et comme son nom l'indique, les gens attendent de la musique. Et quand je dis musique, je pense à la musique classique. C-L-A-2-S-I-Q-U-E. Qu'est-ce qu'on va faire ? Clément. Oui ? J'ai une idée de génie. Ça va beaucoup te plaire. On va faire un petit historique du loto, le tout agrémenté de musique. De musique classique. C-L-A-2-S-I-Q-U-E. Ok, allez-y. Le concept des loteries remonte à la nuit des temps. Déjà, dans l'Ancien Testament, Moïse aurait procédé par tirage au sort pour distribuer des lopins de terre aux Juifs. Mais la première véritable preuve de l'organisation du jeu remonte à 857 avant Jésus-Christ en Chine. Il s'agissait de billets de Keno, un ancêtre du loto datant de la dynastie Han. Sancta pars, Seigneur.
Les loteries sont monnaie courante dans le monde antique. À Rome, Jules César les encourageait pour financer des travaux dans diverses cités, tandis que Néron avait institué des tirages de 1000 billets par jour, dont les lots étaient des esclaves, des chevaux ou bien un bonbon mentholé. D'ailleurs, étymologiquement, le mot loto vient de l'italien loto, qui vient lui-même du latin loto, qui veut dire à la fois lot et taux. Quiconque célébra tua commémoration, gloria patri et loto et spiritui sancto, sic et te precipio enet esaper et segula seculorum amen. Au Moyen Âge, les loteries n'existent presque plus. En effet, elles ont été proscrites par l'Église catholique et par l'islam, qui les jugeaient à la fois cupides, païennes, et qui trouvaient les règles vraiment trop complexes. Mais certains résistent et continuent à jouer à l'abri des regards, dans des cryptes entre deux offices, dans des grottes clandestines et secrètes, dans des catacombes lugubres, ou tout simplement chez eux. Il était une fois un tout petit bourreau, pas plus grand que trois noix et pas beaucoup plus gros. Des hautes et basses œuvres étaient exécutées et pour les basses œuvres était à la hauteur, n'avait jamais de trêve et jamais de repos, car en place de grève il faisait son boulot. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça salit mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre, un geste un peu brutal, mais sans penser à mal, sans dire votre bourreau. Aïe, aïe, aïe. Un soir de sa fenêtre, la femme du fossoyeur et là l'homme des têtes, il lui ouvrit son cœur. Depuis longtemps sevré de transports amoureux, à vous veux me livrer, au bourreau vigoureux, je vous lance une corde du haut de mon balcon. Grimpez-y, c'est un ordre, allons, exécution. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça salit mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre, un geste un peu brutal, brutal. Et sans penser à mal, sentimental bourreau. Aïe, aïe, aïe. À partager sa couche, la belle l'invita en quelques coups de hache, il la lui débita. L'époux au bruit des bris survint un peu inquiet. Il partagea le mari pour garder sa moitié. Comme la dame inquiète suggérait, taillons-nous. Il lui coupa la tête et se trancha le cou. Pourtant couper des têtes, disait-il, ça m'embête, c'est un truc idiot, ça salit mon bio. Pour nourrir ma vieille mère, je saigne Paul ou Pierre, un geste un peu brutal, mais sans penser à mal, sentimental bourreau. Aïe, aïe, aïe. Passe, prenez grand soin de la douce Isabeau. Qu'elle n'ait aucun besoin d'un petit bourreau. Ce n'est qu'à la Renaissance que les loteries réapparaissent en Europe.
En 1441, des notables de la ville de Bruges en organisent une pour venir en aide aux plus démunis. Mais qu'entends-je? Mais cette musique? Mais c'est bien sûr 1530 en Italie, et sans doute la véritable année de naissance du loto en tant que loterie nationale. Les autorités de la ville de Florence organisent une grande loterie, le Lotto di Firenze, pour combler les caisses de la ville. Hello, Otto, hello, ton buon cantore, che tiene l'ongo verso. Dalle, dalle. Lotto, canta, canta, dalle, dalle, beve, beve, lotto, lotto, canta, è lotto, è lotto buon cantore, ma non fa come gli altri uccelli, come li ha cantato un poco, van de fatto in altro loco, sempre è lotto sta pur saldo, quando la Allor canta sol per amore, per amore. È lotto, è lotto buon cantore che tiene lungo verso. Beve, lotto, lotto, canta, è lotto, è lotto, buon cantore. Et cet événement n'échappe pas à François Ier, toujours prompt à importer les innovations des cités italiennes, surtout quand il s'agit de se faire un max de pognon. Le loto est institué pour la première fois en France par l'édit de Château-Renard, le 21 mai 1539. Il aura peu de succès. Cependant, il s'étendra dans tout le royaume. Regret mon presse, puisque j'ai...
Contrairement à l'Italie, où il possède une appellation unique, ce jeu porte différents noms selon les parties de l'hexagone. Par exemple, Kin pour le Cantal ou l'Aveyron. Rifle pour la Nièvre, le Cher, le Loir-et-Cher et les Pyrénées-Orientales. Poule au gibier en Corrèze, l'autokine en Picardie. Ou encore, jeu dans lequel on tire au sort des chiffres et lorsque tous les chiffres de son carton ont été tirés, on gagne une choucroute. En Alsace. À peine un siècle plus tard, Henri Purcell, compositeur anglais de musique classique... Oui, classique, C-L-A-2-S-I-Q-U-E. Merci, Martial. Je t'en prie. Qui passait tous ses week-ends dans le Cotentin en Normandie, découvre le jeu et en tombe éperdument amoureux. L'histoire raconte d'ailleurs, désolé de te couper Yann, pour la petite histoire, que lors de sa première partie, il aurait remporté un saucisson qu'il aurait porté en porte-bonheur autour de son cou jusqu'à sa mort. Il essaye, pendant de longues années, en usant de bien des arguments, de convaincre la reine Marie II d'organiser un grand loto à Londres. Mais celle-ci est catégorique. I've been a burst in the broken to trust, c'est la pire idée que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Plutôt crever que d'organiser ce jeu de crotte dans mon pays. Désespéré, Henri compose dans les larmes sa chanson Music for a Loto. Musique pour le loto. Shalom, your dress because
Henry Purcell. Les exemples du lien indéniable entre les compositeurs de musique classique et le loto sont innombrables. Nos longues années de recherche à la Bibliothèque nationale de France du Monde en témoignent. Parmi les références les plus connues, citons le célèbre Beau Loto de Ravel, qui vient tout juste de tomber dans le domaine public, ou encore le fameux Rigolotto de Verdi, dont les enregistrements de référence ne manquent pas. Une œuvre a particulièrement retenu notre attention. Dominique Desmond, grand artiste limougeaud et immense champion de loto local, que nous saluons au passage, nous raconte dans cette chanson un voyage fou au bout du monde qu'il aurait gagné grâce à un carton plein au Grand Loto de Bourganeuf en 1973. Il y a l'océan à traverser. Alors, on y part en avion avec sa femme et son cochon. Et quand on arrive là-bas, à ça, on ne le regrette pas. Car il fait chaud, 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 chaud à Mexico. Pas plus tôt sorti l'aéroport, on quitte son maillot de corps. On s'en sert pour s'essuyer dans le taxi pendant le trajet. Arrivé à l'hôtel San Pedro, on les sort dans le lavabo. On est trempé jusqu'aux pieds, du matin jusqu'en fin de soirée. On passe le temps à se laver, à se baigner et à se doucher. Mais quand il n'y a plus d'eau dans les tuyaux de Mexico, on se rince à la tequila, c'est pas mauvais, ça nettoie. Il fait chaud, 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 chaud à Mexico. Il faut en tirer les conclusions pour trouver les bonnes solutions. Si l'on veut avoir moins chaud, 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 chaud à Mexico, pour éviter la transpiration, faut une bonne climatisation. Mais la nuit, ce n'est pas le soleil qui fait monter les thermomètres. C'est plutôt naissance en éveil qui bouillonne dans tous les êtres. L'on n'entend pas tout alentour d'étranges musiques et des bruits, laissant présager pour la nuit la violence, la danse et l'amour. Il fait chaud, 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 chaud à Mexico. Dans les cafés, les guerrieros se font des trous dans leurs chapeaux. Avec leurs pistoletos, ils tirent un peu sur tout ce qui bouge. Mais comme en fait ils sont tous miro, ils descendent les bouteilles de rouge. De l'autre côté, c'est la vraie foire. On entend 69 guitares qui jouent ensemble 20 morceaux différents. Et c'est tout faux, sitôt que ça leur prend la tête, les mariachis jettent leurs trompettes pour entonner Mexico en se prenant pour Luis Mariano. J'ai si chaud, j'ai si... Il fait chaud, 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 chaud à Mexico. Restons outre-Atlantique. Nous sommes à Chicago en 1876. Un groupuscule extrémiste de redoutables joueurs œuvre en cachette pour fausser l'identité du jeu. Ils vont falsifier des documents officiels fédéraux pour s'approprier son invention. Ils vont même jusqu'à détourner l'avis de Davy Crockett, véritable star à cette époque, pour parvenir à leur fin. Il y avait un homme qui s'appelait Davy. Il était né dans le Tennessee, pas loin d'ici. Si courageux que lorsqu'il était petit, il tua un ours d'un coup de son fusil. Bang! Davy! Davy Crockett, l'homme qui inventa l'auto. Bah ouap, bah ouap. À 14 ans, il s'était perdu. Il s'était perdu. Dans un désert vaste et inconnu. Wah, 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 wah. Pendant 10 jours, il marcha comme il put. Sans rien
manger qu'un petit peu d'herbe crue. Berk, Davy, Davy Crockett, l'homme qui inventa l'auto. Ta ta gada ta gada ta gada ta gada ta gada. Tu peux faire un peu plus vite. Ta ta gada ta gada ta gada ta gada ta gada ta gada ta gada. Tu peux faire un peu moins vite. On le présenta pour les élections, mais ses discours remuaient l'opinion. Face au danger, à la peur, à la nuit, face au devoir, à la mort, à la vie. Oui, l'homme qui inventa, l'homme qui inventa, l'homme qui inventa le tarot, le loto. Bravo les garçons, bravo, c'était extraordinaire. Non, c'était pas extraordinaire, c'était vraiment très très bien, un super beau passage. Vous avez offert un immense moment de radio. Merci, c'était très bien chanté, surtout Igor d'ailleurs. Et en revanche, on me dit dans l'oreillette qu'on aurait une joueuse en ligne. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être abréger cette histoire du loto pour jouer, faire une partie? Mais c'est génial. Là. Alors c'est parti. Est-ce que vous êtes chaud? Yes. Distribuez les cartons! Ils sont chauds! Est-ce que vous avez bien vos jetons? Ils sont super chauds! Yeah! Oh! Ils sont chauds! Allô? 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 Oui, allô? Y a quelqu'un? Oui. Allô? Allô, bonjour! Comment vous appelez-vous? Allô? Oui, je m'appelle Corinne. Bonjour, Corinne. Alors, est-ce que vous avez bien votre petit carton sous les yeux? Allô? Oui, 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 je l'ai. Eh bien alors, je vous lègue et nous jouons pour le kin. C'est quoi un kin? Ah bah, vous ne connaissez pas les règles du loto? Igor, peut-être. Eh ben non. Ah bah alors, c'est bien simple. Alors, un meneur de jeu tire au sort une boule sur laquelle est inscrit Igor. Un numéro. Peut-être, Corinne, elle va y arriver. On a déjà fait pas mal de fois les règles. Ok, eh bien alors, je vous lègue et je tire le premier numéro. King. Le pas de Calais. 62. King. L'âge du Christ, quand il est mort, bien sûr. 33. King. Lyon. 89. King. L'âge de ma mamie. 82. Et non, 85. Attention, mesdames et messieurs, sachez que Corinne a une chance sur 43 949 268 d'avoir un kin lors du tirage du prochain numéro. Et je tire le prochain numéro. Kin. Racine carrée de 9. 3. Kin. 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 J'ai gagné. J'ai gagné. Mais c'est un miracle. Le trio Musica Humana est heureux de vous offrir un voyage, un séjour d'une après-midi à Paris. À Paris? Mais c'est génial! C'est là que j'habite! C'est super pratique! Oh, c'est incroyable! Merci, je suis trop émue! J'adore Paris! Ah, mais ça tombe bien, justement, Corinne. Mais qu'est-ce que c'est pour vous, Paris, Corinne? Paris? C'est les bouchons? Oui, mais ça peut être aussi un monument, le symbole de Paris, voire même le symbole de toute la France. Bon, le Louvre? Ah non, enfin, oui, mais je pensais plutôt à une tour connue dans le monde entier. La tour Montparnasse! Oui, mais non, c'est pas celle-là, enfin, c'est toujours un peu la même histoire, car... Lorsqu'on nous demande ce que c'est Paris, on répond toujours l'étoile, les Tuileries, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes et les petites boutiques des quais de la Seine. D'autres plus sérieux disent sans hésiter, c'est la petite roquette ou bien c'est la santé, c'est important la santé, c'est les grands boulevards, Pigalle, Opéra, mais ne les croyez pas, non, 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 car Paris, mais c'est la tour Eiffel. Avec sa pointe qui monte au ciel, qu'on la trouve belle, qu'on la trouve laide, y'a pas de Paris sans tour Eiffel. On la débine, on la charrie, pourtant partout ce n'est qu'un cri. Paris ne serait pas Paris sans elle. Paris, mais c'est la tour Eiffel. Eh oui, Corinne, c'était la tour Eiffel. Mais en même temps, mon petit doigt me dit que vous êtes parisienne. Non, car
Il paraît que beaucoup de Parisiens ne connaissent la tour que par leur petit cousin ou alors par le vieil oncle, la héritage, qui est monté à pied jusqu'au troisième étage, et ça faut le faire. Ah, dit-il, c'est beau, c'est merveilleux, madame, quand on est là-haut, on peut voir tout Paname. Et le Parisien se dit, tiens, 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 j'irai la voir demain. Paris, mais c'est avec moi! Ouais, avec sa pointe qui monte au ciel, qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle. Y a pas de Paris, elle est chez vous. Super, on la débine, on la charrie. Pourtant partout, ce n'est qu'un cri. Paris ne serait pas Paris sans elle. Paris, mais c'est à vous, Corinne. La tour est faite. Je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit, bravo Corinne. En même temps, Paris, c'est pas que la Tour Eiffel, hein. C'est aussi la capitale de l'amour. Un jour, une jeune et belle américaine voulut voir Paris et les quais de la Seine. Elle visita les monuments et les musées, les grands magasins, les rues et les cafés. Enfin, s'ils ont rouvert, bien sûr. Et voilà qu'un soir, elle rencontra l'amour. Et maintenant, quand on lui demande à son tour, quel est votre avis sur Paris? Franchement, elle dit en rougissant, Paris, je t'aime Paris, c'est la tour Eiffel que j'aime le plus, and Paris is so wonderful, I love you Paris, la tour Eiffel, je t'aime. La débine, on la charrie, pourtant partout ce n'est qu'un cri. Paris ne serait pas Paris sans elle, avec sa pointe qui monte au ciel. Paris, mais c'est la tour Eiffel. A rock'n'roll attitude. De New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu-leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Tout le monde a la queue leu-leu. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes de l'an 2000. Mirabel ou Roissy, tout est partout pareil. Tout autour de la terre, on prend les mêmes charters. Pour aller où le ciel est bleu, quand on ne saura plus où trouver le soleil. Alors on partira pour Mars ou Jupiter. Ciel est bleu dans les villes de l'an 2000. La vie sera bien plus facile. On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. On suivra gaiement le troupeau dans les villes
tous des étrangers dans les rues de Monopolie.